Chers téléspectateurs de Ici et Ailleurs, justement, c'est ce que l'on vous propose aujourd'hui avec le raid Amazon à la découverte du Sri Lanka. Le raid Arbre Vert Amazon, plus qu'une épreuve sportive, c'est avant tout une grande aventure à l'autre bout du monde. Une aventure faite d'émotions, de découvertes, de nature et de sport, bien sûr. Une aventure unique en équipe, réservée aux femmes. Pour sa 8e édition, les organisateurs ont décidé de faire revenir les Amazones dans les somptueux paysages du Sri Lanka, en plein cœur de l'océan Indien. C'est donc après plus de 10 heures de vol depuis Paris jusqu'à Colombo et quelques autres de plus par la route cette fois-ci que les concurrentes arrivent à Dambulla, en plein centre de l'île. Il ne leur reste alors qu'à se familiariser avec quelques mots de la langue locale, le singalais. Ça y est, on y est. Obi Yowan. On y est. Yowan. Non. Obi-Wan Kenobi. À Yobowan, cela veut dire bienvenue. Et ici, la population locale, d'une gentillesse sans faille, l'utilise sans compter. La fête peut alors commencer. Des chars traditionnels tirés par des bœufs ont été préparés pour la dernière partie du trajet, épaulés par plusieurs dizaines de tuk-tuk, véritable institution dans le pays. Comme à l'accoutumée, cette première journée est un vrai moment de détente pour les Amazones. C'est dans le magnifique cadre de l'hôtel Amayalek qu'elles vont récupérer du voyage et enfin goûter aux délices de la piscine et de la beauté du paysage. Demain, ce sera une autre histoire. Avant de rejoindre le bivouac, situé à quelques kilomètres en pleine nature, Alexandre Debanne et Bruno Pommard, les organisateurs, donnent le premier briefing. Et c'est Gilles Mention, le directeur de course, qui le termine en rappelant la philosophie de l'épreuve. Notre équipe, que ce soit la course, que ce soit la log, que ce soit tous les gens de l'organisation, notre but, c'est que vous fassiez plaisir, un, que vous en preniez plein les yeux, deux, et que vous entriez entière pour vos familles. Le soleil est sorti depuis peu sur le lac Amaya, lorsque toute l'équipe logistique achève les derniers préparatifs de l'épreuve qui va se dérouler aujourd'hui. Des canoës, tout droit sortis des containers, sont rigoureusement alignés sur la rive. Cette discipline est la plus redoutée des Amazones, car si certaines se sont beaucoup entraînées au maniement de la pagaie, la majorité des filles n'a que très peu d'expérience dans ce domaine. Et cette année, deux épreuves de canoë sont au programme. Aussi, chacune est attentive aux derniers conseils donnés avant le départ. Concernant le fait de barrer à l'arrière, hein, il faut aller chercher moins derrière de façon à accéder. On écarte pour donner une autre position ou on rentre pour donner une autre direction. Stress un peu, hein. Tu stresses ? Ah oui, je stresse sympa. Moi, je trouve ça sympa. Moi, c'est vraiment une épreuve qui me tente bien, parce que c'est vraiment l'épreuve. Ah, pour nous, c'est l'inconnu. Mais c'est l'inconnu. Mais pour nous, c'est ça qui est marrant. 9h15, départ.
les 138 concurrentes s'élancent pour un parcours de 15 km sur la Mayalet. Le vent s'est levé et souffle maintenant de face, ralentissant la progression de la flottille. On s'économise là, on n'a rien montré encore. Pour corser l'affaire, le directeur de course a prévu le passage obligé à des points de contrôle, dont le premier se trouve sur une île surmontée d'un dôme volcanique. C'est à son sommet que se trouve la première balise à poinçonner et que leur sera donné le cap à suivre pour rejoindre le CP suivant. Malgré quelques nuages éparses, la chaleur est énorme lorsque les premières embarcations accostent sur la berge et que les Amazones se lancent à l'assaut du rocher. La 17, la 23. Vous prenez la direction azimut 224. Ok, c'est prêt. Okay. Merci. Merci. C'est beau. Regarde ça, c'est pas beau. C'est magnifique. La prochaine balise, c'est azimut 224. 224 degrés. Oh putain. Allez-y, bonne chance. Hein. Bah écoute, on a innové cette année, on fait du canoë, mais on fait du canoë avec une orientation, c'est-à-dire que c'est un parcours en étoile sur le lac, avec des difficultés, le rocher, l'ascension du rocher, les balises, il faut descendre du bateau à chaque fois, et ça change quoi, ça change un peu, je trouve que c'est vachement sympa, et c'est original pour les filles, parce que ça allie encore une fois la tête et les jambes, lecture de quinte, prise d'azimut, et on voit qu'elles sont ravies quoi. C'est vers 13h30 que les Amazones rentrent au bivouac. Le temps de se changer et de reprendre des forces avant de partir pour les visites culturelles au programme de l'après-midi. Et la banane. Ah, les bananes, c'est super bon. Les trois salades. Et la salade avec ça. Jamais j'ai mangé comme ça, jamais. Il y a la pluie. Il reste un bout de pâte verte. Concernant le safari 4x4 et le rail d'éléphant, vous habillez normalement. Couvrez-vous quand même. Casquette. Crème solaire, les lunettes. Comme tous les soirs, après le briefing et l'apéritif traditionnel, dont seul le cuisinier du raid a la recette, la fête bat son plein au rythme des danseurs et musiciens locaux. Pas trop tard toutefois, car demain ce sera au tour des jambes d'être mises à contribution. Et là c'est plus facile. Les équipes d'Amazones vont s'élancer pour 40 km sur des pistes en terre battue en direction du rocher du Lion. Juste le temps de donner les derniers conseils aux coéquipières. Et puis c'est pas ça, c'est quand vous passez les vitesses. Quand vous passez les vitesses, c'est... Alors, c'est un après l'autre. Alors j'entends... Alors la devise, ne pas attendre d'avoir soif et ne pas attendre d'avoir faim. Avec ça, tout va bien. À peine arrivé au CP2, certaines équipes font déjà le bilan de leur début de course. Non, on est parti trop vite. Mais ça va le faire. On s'économise maintenant. On est folle. Vivement les marches. Non, soit. Allez, c'est parti, soyez prudentes. C'est bien sur la gauche. Hein. J'ai perdu ma carte. Mais j'ai le carton. C'est plus important. Thank you.
Les 20 premiers kilomètres ont été dévorés avec beaucoup d'appétit par les Amazones. Parfois un peu trop d'ailleurs pour certaines, donnant un peu de travail à l'équipe médicale de chez AMS. Ça va piquer ? Ça va ? Ça va. C'est ça, en fait, Amazon. Si tu veux faire une pause, tu m'arrêtes. C'est une chute. Allez, courage. On est à la mi-course, 20 km. On a neutralisé la course afin que les Amazones puissent grimper sur ce rocher mythique qui est derrière moi, Sigiriya, 150 mètres de haut, 1200 marches à grimper après 20 km de VTT dans les jambes. Ça use, mais c'est beau. Nous sommes en plein cœur du triangle culturel sri-lankais. Les filles montent en haut, font la photo, c'est très beau. Il y a le palais d'un ancien roi du 5e siècle là-haut. Et ensuite, on repart pour 20 autres kilomètres et rejoindre l'arrivée. Avec l'ascension du rocher du Lion dans les jambes, la seconde partie de l'étape a été très éprouvante. Et certaines filles sont allées puiser très loin en elles les ressources suffisantes pour faire les 20 derniers kilomètres et rallier l'arrivée. C'est bien. Super, Rachel. C'est bien. Fini les efforts pour aujourd'hui. Maintenant, place à la découverte. Vous avez dit quoi ? 36 et plus loin. C'est en lisière de la profonde jungle singhalaise, bordée de rizières et d'immenses cocoteraies, que les Amazones sont allées chevaucher le plus grand mammifère terrestre. Elles en ont vu ce matin sur le parcours VTT, au hasard des villages qu'elles ont traversés. Mais là, maintenant, ça n'a rien à voir. Comme tous les soirs sur le bivouac, Alexandre et Bruno donnent dans la bonne humeur le résultat de l'épreuve du jour et le classement général du raid. L'équipe 1, Jet Ski Village, se présente en tête au soir de cette deuxième journée de course. Dixième l'équipe, 26, Team Franchise Management, 1:33:45. Une seconde devant, arrivée 9e, l'équipe 46, Ford Girls, 1:33:44, une seule seconde d'écart. Rien n'est gagné pourtant, pour personne. Le juge de paix arrive sous la forme du trek du lendemain avec ses 12 km à travers la jungle épaisse et les rizières asséchées et ses 550 mètres de dénivelé positif. Même pas peur, même pas mal. Le tout agrémenté de passages techniques autant mortels pour le physique que pour le mental. Pourtant, l'humeur est joyeuse sur la ligne de départ et la solidarité entre équipes joue à plein, chacune trouvant les moyens de motiver les autres. Après une demi-heure d'épreuve, Laetitia Bléger et Corinne Command de l'équipe 21 Arbre Vert Miss France Team encouragent en trouvant les mots justes leur coéquipière Rachel Legrain-Trapani, déjà épuisée. Le départ s'est fait à l'inverse du classement général et donc les dernières partent les premières. Tandis que certaines équipes commencent en petite foulée de jogging, d'autres ont pris le départ de la course comme des balles et remontent donc le long cordon d'Amazon qui va bientôt s'étirer sur des kilomètres en pleine forêt tropicale. Si le début de parcours est plutôt plat et dégagé, la suite va s'avérer très vite accidentée. Succession de côtes très raides et de descentes glissantes, les Amazones vont devoir faire attention à chaque pas pour ne pas finir l'étape prématurément à cause d'une entorse, principal risque redouté par les organisateurs. Le directeur de course avait prévenu : attention, il y a une surprise à mi-parcours. Elle prit la forme d'un énorme rocher à gravir au plus fort de l'épreuve. On a laissé Céline monter parce que nous... C'est une warrior. Et puis, c'est une warrior, c'est tout. On va pas s'épuiser pour nous, non. Non, c'est clair. C'est clair. Ça va ? Dur. Puis elle a tout de suite à la tête qui tourne. Du coup, il y a le sol qui bouge tout. 32, 34. La balise, t'as la balise ? Non, c'est qui là ? C'est Céline. Qu'est-ce qu'elle a la balise ? C'est où la balise ?
Allez là-bas. C'est P8 la balise là-bas. C'est P8 la balise. La balise est là-bas. Très impressionnant, très beau, mais punaise. Très crevant, faut gérer la respiration, faut gérer les muscles. Pas tombé, je me suis déjà un peu blessée. Ils ont voulu impérativement me soigner, je voulais pas. L'équipe 2, numéro 2. Génial, 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 génial. Elle a tout tué. Elle a déchiré. Super. Oh. Oh, c'est top, c'était magnifique. On s'appelle les Jungle Speed, on a tout donné dans la jungle. C'est notre domaine. Génial. Le lendemain, le raid Arbre Vert Amazon a pris possession de l'île centrale de la Mayalec pour la journée d'épreuves multi-activités. Au programme, tir à l'arc, escalade et course d'orientation. Soirée de gala à l'hôtel Amayalec. Pour la circonstance, les Amazones ont troqué leur tenue de baroudeuse pour d'autres plus citadines, en général réservées à la dernière soirée du raid. Un break magnifique, haut en couleur, fait de danse traditionnelle, de cracheurs de feu et de cuisine locale. Cinquième jour du raid, lac Kalaluwewa. C'est dans un parfait désordre que se sont élancés les 46 canoës à l'assaut de l'avant-dernière épreuve du raid. Le décor est grandiose, arrosé par un grand soleil. Là, tu viens de pointer, 21. Azimut 130, les filles. Azimut 130. 18 km à la force des bras, avec accostage périlleux et prise d'azimut, sur ce lac immense parsemé d'îlots minuscules, seulement habité par des espèces d'oiseaux endémiques. Encore 2 mètres, encore 2 mètres, encore, 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 stop.
Voilà, je te récupère. Tu pas du bateau, tu pas du bateau. C'était long là aujourd'hui, hein. Ils ont doublé de volume, je pense. C'est un hors-d'oeuvre la dernière. On a tout donné, on n'en fait plus. On est mortes. Il est 5h30 lorsque le bivouac de Candalama se réveille doucement pour le dernier jour d'épreuve. Bon, le camel, les étiquettes. Maintenant, je vais prendre une petite douche pour me rafraîchir. On a bien dormi, je trouve. Elle a même été un peu trop longue. Tardé de me réveiller. La fatigue de cette semaine commence à se lire sur le visage des raideuses. C'est la dernière fois que les Amazones dorment sur le bivouac. Ce soir, c'est à Lilton de Colombo qu'elles passeront la nuit. Alexandre Deban et Bruno Pomard n'ont pas lésiné sur les moyens pour les rapatrier jusqu'à la capitale. Ils leur ont tout simplement réservé un train. En attendant, c'est le moment de faire le plein de calories qui vont partir en fumée dans quelques instants. Les filles départent dans 10 minutes. La dernière étape de 40 km de VTT dans les majestueuses plaines du Sri Lanka, encore peuplées d'éléphants sauvages, n'est qu'une formalité pour les concurrentes. Au final, c'est l'équipe Jet Ski Village qui s'impose pour la seconde fois consécutive devant les teams Vendée Amazon et GK Girls 1. Génial. Encore une fois, le raid Arbre Vert Amazon aura tenu ses promesses en faisant une aventure unique et inoubliable.